Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça me paraissait assez évident que je vous propose un relooking avec les produits Eleonore Déco. Voilà. Si vous n'avez pas vu donc ma vidéo de vendredi dernier, allez jeter un petit coup d'œil, ça vous paraîtra un petit peu plus... enfin, vous comprendrez mieux. Je vous fais quand même un petit bref raccourci. Alors, je suis donc dorénavant conseillère chez Eleonore Déco. Alors, qu'est-ce que Eleonore Déco, hein, peut-être que vous ne le savez pas. Alors, Eleonore Déco, c'est une gamme de peintures, mais pas que. Enfin, on va dire pour résumer, si vous avez un projet quelconque pour repeindre vos murs, vos plafonds, vos objets, vos meubles, tout ce que vous avez à peindre, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Eleonore Déco. Que ce soit le pot de peinture, la sous-couche, le vernis, le pinceau, le rouleau, tout. Je pense que tout, le scotch, tout. Voilà, vous pourrez trouver tout. Donc, comme je suis conseillère, si vous avez un projet et que vous voulez donc m'en parler, vous avez besoin de conseils, que vous avez besoin de produits, de peinture, etc. Laissez-moi laissez-moi un commentaire. Il y a également ma boîte mail sous la vidéo. Comme ça, ça nous permet, ça me permettra de partager avec vous, enfin voilà, et de vous aider, pourquoi pas, à passer une commande en fonction de vos projets. Voilà, j'ai essayé de faire court, hein, c'était pas si évident. Alors donc aujourd'hui, on va faire le relooking d'une table. C'est une table absolument magnifique, c'est pas vraiment du pain, mais c'est un bois très très clair. Donc, avec un plateau brut magnifique et où j'ai pu appliquer une couleur. Voilà, en tous les cas c'est une couleur que je vous ai proposée vendredi dernier, donc vous ne serez pas surpris, mais vraiment on a fait un petit match qui est plutôt très très sympa. Allez, je me tais, je vous laisse avec le tuto, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Alors dans un premier temps, je vais utiliser le décapeur thermique, tout simplement parce que je voudrais obtenir un plateau brut de cette table et pour me faciliter la vie, j'ai préféré utiliser dans un premier temps le décapeur thermique. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui à tout hasard ne connaissent pas, c'est donc comme un sèche-cheveux, c'est vraiment le même principe et donc qui envoie de l'air chaud et qui ramollit votre vernis ou la peinture ou peu importe ce que vous voulez enlever. Et c'est un gain de temps vraiment énorme. Alors bon, faut pas se mentir, hein, on n'y passe pas 3 secondes non plus. Mais malgré tout, c'est pas mal du tout. Et ce qui fait qu'après, une fois que le vernis est parti, pour le ponçage, franchement, c'est du gâteau, quoi. Hein. Déjà, ça vous permet d'utiliser quand même beaucoup moins de disques de ponçage. Hein. C'est de l'économie aussi. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà pourquoi j'ai commencé avec ce petit appareil, ce sèche-cheveux. Et franchement, c'est top. Alors là, je vous montre donc un petit aperçu de la table sans le vernis. Hein. On voit quand même qu'elle est beaucoup plus claire, plus mate. Et après, il y a des petites traces encore, hein, mais bon, ça va s'enlever facilement au ponçage. Mais le résultat est quand même super, très très satisfaisant. Alors, après avoir posé donc mon scotch de masquage, parce que donc je veux peindre uniquement le contour de la table, enfin le socle qui se trouve dessous, ainsi que les pieds, je vais m'attaquer à nettoyer ma table. Donc là, pour le coup, j'utilise donc le produit dont je vous ai déjà parlé, Eleoclean, pardon. C'est un dessireur décrasseur sans odeur. Et ça, je vous confirme, il n'y a vraiment aucune odeur, que ce soit sur les peintures ou sur les produits. Donc, c'est un produit qui va vraiment nettoyer ma table en profondeur. Et ce qui me permettra d'avoir un support vraiment nickel pour pouvoir ensuite poser ma sous-couche. Et ça, c'est vraiment très très important. Surtout en fonction de, du meuble que vous avez. On ne sait jamais trop si c'est de la cire, si c'est du vernis. Et avec ce produit, il enlève tout. Donc c'est génial. Donc voilà, je vais donc nettoyer bien sûr de partout. Et à l'aide d'un chiffon sec pour bien préparer.
Après avoir bien nettoyé mon meuble et après avoir posé également du scotch de masquage pour éviter les petites catastrophes, je viens donc appliquer une sous-couche d'accroche Eleo Pro de chez Eleonore Déco, bien évidemment, que j'applique au pinceau plat. C'est quand même beaucoup plus simple. Cette sous-couche est vraiment révolutionnaire, comme vous avez pu le constater. Je l'ai seulement posée après avoir bien nettoyé mon support. Il n'y a pas eu d'autre préparation. Elle se suffit à elle-même et ensuite vous pouvez appliquer votre peinture. Alors par contre, il faut bien respecter les temps de séchage qui est de 12 heures. À la rigueur, attendez le lendemain, comme ça vous êtes tranquille pour éviter d'avoir des petites surprises. C'est vrai qu'il faut toujours bien respecter le temps de séchage. Si on vous dit 12 heures, c'est qu'il y a une bonne raison. Et 12 heures après, en tous les cas, vous pouvez appliquer votre peinture sans problème et avoir un résultat vraiment topissime. Après, je peux donc appliquer ma satinelle. Alors la satinelle, c'est tout simplement la peinture de couleur carbone. C'est une peinture satinée que j'applique tout simplement au pinceau plat. Elle est vraiment très onctueuse, elle s'applique vraiment très très facilement. C'est un pur bonheur et elle va forcément très très bien accrocher, pardon, grâce à la sous-couche que j'ai posée dessous et cette couleur carbone qui est vraiment très très belle. Je pense que le combiné du plateau brut très clair avec la couleur carbone va vraiment très très bien ressortir. Je suis très contente de mon choix et je pense que je serai très contente du résultat. Mais voilà, cette table est destinée à être vendue, mais je vous assure que je l'aurai gardée très volontiers. Avoir posé ma deuxième couche de satinelle carbone 6 heures après, parce qu'il faut bien attendre 6 heures entre deux couches de peinture, j'applique le vitrificateur Pro Plus pour protéger ma table tout simplement, puisque comme vous le savez, j'ai poncé intégralement le plateau, donc il faut impérativement le protéger. De plus, c'est une table, donc un meuble qui va être utilisé très très souvent, donc d'autant plus le protéger de façon vraiment avec un produit très très efficace, d'où le vitrificateur Pro Plus, où là il n'y aura aucun problème. Je pense que je vais même appliquer une deuxième couche pour être sûre, parce qu'encore une fois, voilà, ça reste une table et une table est sollicitée très très souvent dans la journée, donc voilà, je ne prendrai pas de risque. Comme je vous l'ai dit, c'est une table qui va être vendue, donc voilà, dans ces cas-là, on fait les choses correctement et c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, bah écoutez, je vais pouvoir vous montrer le résultat de la table en images. J'espère que la vidéo vous a plu. Un petit pouce en l'air, un commentaire et surtout, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pardon, et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Bisous !
fish gate. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation. Running closed system.